comme vous pouvez remarquer, as you not, you can notice, donc notre baffle n'est pas là. Our speaker baffle is not there. Donc nous ne savons pas qui a fait ça. We don't know who took it. Donc priez pour ça. So let's pray for it. Dieu peut tout faire. God can do anything. Comme une fois, le monsieur qui avait perdu ses clés. As once a man who lost his keys. Et il a demandé à Frère Branham. And asked Branham. Frère Branham, où sont mes clés? Branham, where are my keys? Pendant que le Frère Branham ne savait pas où se trouvaient les clés. Why Branham didn't know where the keys were? Et après, ses clés étaient retrouvées. And after that, his keys were found. Et un jour aussi, un homme avait perdu sa voiture. And one day, a man also lost his car. Je crois que c'était le frère Evans. And I believe it was Evans. Alors, il est parti dire ce frère Branham. So he went to tell Branham. Et le frère Branham a prié. And Branham prayed. Le voleur a remis la voiture. Yeah, the thief returned the car. Avec un réservoir en matière remplie. With the half up. Amen. Amen. Donc, priez aussi. Oh, so let's pray also. Et si le monsieur a confirmé notre baffle, qu'il puisse le ramener. Let's pray for the man who confirmed, who took our speaker by mistake to bring it. Si, si il l'a volé, or if he stole it, qu'il puisse le ramener aussi. Let him bring it. Amen. Amen. Ça nous a coûté de l'argent, c'est un budget. Because it cost us money. Amen. It's a budget. Une autre chose. Another thing. Il y a le frère Eli qui est éprouvé. And his brother Eli who is lost somebody. Le frère Eli a perdu son oncle. Le frère Eli qui est à côté de Moïse. The brother Eli who is next to me lost his uncle. Il a perdu son oncle, donc le frère et sa maman. His mom, brother. Donc nous te souhaitons des condoléances. We wish you our condolences. On est avec toi. We are with you. C'est la loi de la nature. It's the law of the nature. On ne peut rien. Dieu a pris, Dieu a donné et Dieu a repris, que son nom soit. We can do no, nothing. God has given and God has taken. Je pense que l'oncle avait 55 ans. I believe the uncle was about 55. C'est vraiment triste de perdre quelqu'un. It's really sad to lose someone in the family. Donc priez pour le frère Eli, pour toute la famille. And let's pray for brother Eli and the whole family. Amen. Amen. Et une autre chose. And another thing. Donc, la semaine prochaine, le mercredi. Next week, Wednesday. Nous allons voyager pour Goma. We going to travel for Goma. C'est ma première fois d'aller à Goma. It's my first time to go to Goma. Donc, on va descendre par Kigali. We going to land by. Ça sera aussi ma première fois d'aller au Rwanda. It will be also my first time to go to Rwanda. Je n'ai jamais pensé que. I never thought of going there in my life. Mais c'est monsieur qui m'amène là-bas. But it's this man who's taking me there. C'est là-bas qu'il a fait son choix. It's there where he made his choice. Donc c'est lui qui a fait le choix. It's him who made the choice. Et nous sommes en train de l'accompagner. And we're going to. Nous sommes en train de l'accompagner. We're going to take him there. Tenir compagnie. Donc, priez pour nous. So pray for us. C'est un endroit que je ne connais pas. It's a place where I don't really know. Mais le frère là-bas. But the brother. Il y a beaucoup de frères à Kigali. There's a lot of brothers in Kigali. Il y a le frère Paulin Mbanguti. There's brother Paulin Mbanguti. Lui, il est du Rwanda. He's from Rwanda. Il y a le frère Didier Manzi. There's brother Didier Manzi. Il y a beaucoup de frères là-bas. Et puis il y a le frère Alain Mouvamba. Brother Alain Mouvamba. Lui, il est du Goma, mais il habite à Kigali. He's from Goma, but he lives in Kigali. Et beaucoup d'autres frères. And many other brothers. Donc, la famille de Dieu est grande. God's family are big. Et de là, nous allons traverser chez nous au Congo. From there, we're going to travel to us in Congo, in Goma. Et là-bas, il y a aussi beaucoup de frères. And there, there's also a lot of brothers. Il y a le pasteur Aaron, qui est le pasteur de la femme des frères Patient. Pastor Aaron, who's the pastor of the wife of our pastor. Il y a le pasteur Bamelo. Pasteur Bamelo. Il y a le pasteur Jules Missimo. Pasteur Jules Missimo. Il y a le pasteur Kabunga. Pasteur Kabunga. Et bien d'autres. And so many others. Et il y a un frère qui vient de l'église de pasteur Jules. De and there's a brother who came from brother Pasteur Jules from Goma. Il devait être là. He was supposed to be here. Je ne sais pas ce qui s'est passé. What happened?
Amen. Amen. Donc, vous connaissez la situation de le frère Joseph. You know the situation of Joseph. Donc, le frère Jesse est encore à l'hôpital. Brother Jesse is still at the hospital. Je crois qu'il est encore là. And I believe he's still there. On devait le transférer à Londres. You were supposed to transfer him to London. Amen. Amen. Mais je pense que nous pouvons empêcher ça. And I believe we can stop it. Parce que quand ils sont ici, il y a la compagnie, il y a les frères qui vont là-bas pour visiter. When they hear this, brothers are going to visit them. Ça remonte un peu la morale de la sœur et du frère. It gives it some courage to the brothers. Alors s'ils vont là-bas, c'est comme s'ils seront isolés. If they go, it'll be like they are isolated, isolated. Thank you. Mais nous allons, à la fin, nous allons aussi prier pour ça. At the end, we're going to pray for it. Pour empêcher le transfert. To stop the transfer. Amen. Amen. Laisse que quand les médecins vont encore examiner, when the doctor will do the examination, qu'ils disent qu'il n'y a aucune raison de l'amener à Londres parce qu'il va bien. They should say there's no reason to take him to London because it's fine. Amen. Amen. Parce que c'est vraiment une grande bataille avec. Because it's a great battle with Jesus. Mais nous avons la victoire. But we have the victory. Nous croyons de tout cœur qu'il va bien. We believe in our Lord. We believe in our heart that it's fine. Amen. Amen. Ok, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Jean, chapitre 5. Open our Bible in the book of 1 John. Nous allons juste lire un petit passage biblique. Verse 5, on a mis just a small part. Qui est très profond. Which is very deep. Et le frère Branham a utilisé ce passage pour prêcher la prédication qu'il a intitulée La foi et notre victoire. The Brahman priest, a message to talk to your faith is our victory. Amen. Amen. Je vais lire. I will read. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. For whatever is born of God overcometh the world, and this is the victory that overcometh the world, even our faith. Amen. Amen. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Jesus Christ, our God. Nous te sommes reconnaissants. We are grateful. Pour ta main puissante. For your mighty hand. Pour toutes les choses merveilleuses. Pour toutes les choses merveilleuses que tu fais pour nous. For all the wonderful things you've done for us. Si nous tenons debout ici, Seigneur, ce n'est que par ta grâce. If we are standing today, it's only by your grace. Nous savons, Seigneur, que nous ne pouvons rien faire sans toi. We know we can do nothing without you. Nous ne pouvons même pas vivre, Seigneur, sans penser à toi. We cannot even live without thinking of you. Tu es le centre de nos vies, Seigneur. You are the center of our life. Voilà pourquoi, oh Dieu, that's why, dans les moments difficiles, Père, in the difficult moment, nous tournons nos regards vers toi. We are turning our eyes on you. Car toi, tu es la réponse à toutes choses. For you are the answer of everything. Peu importe, Seigneur, no matter, Lord, le problème, the problem. Mais nous croyons, Seigneur, que toi, tu as la réponse à tous les problèmes. We believe you have the answers for every problem. Ton prophète a dit que la mer a été créée pour le poisson. The prophet said the sea was created for the fish. Et le prophète a dit que la terre a été créée pour l'arbre. The prophet said the earth was created for the trees. Donc les solutions ont été créées pour le problème. So the solution was created for the problem. Et nous savons que toi tu es plus grand que le problème. And we know you are greater than problems. Peu importe, Seigneur. No matter, Lord. La grandeur du problème. The greatness of the problem. Mais ta solution elle est plus grande que le problème. Your solution is greater than the problem. Voilà pourquoi nous te disons merci. That's why we say thank you. Et nous sommes fiers d'avoir un Dieu comme toi. And we are grateful to have a God like you. Quand nous pensons à toi, Seigneur. We might think of you. Lord. Quand nous fixons nos regards vers toi, Seigneur. When we turn our eyes onto you, Lord. Cela nous rassure. That assures us. Et cela nous donne l'assurance. And that gives us assurance. Béni soit ton Saint glorieux nom. Bless your holy name. Béni ce moment merveilleux. Bless this wonderful moment. Béni la lecture de ta parole. Bless the reading of thy word. Dans le nom précieux de Jésus Christ. In the precious name of Jesus Christ. Nous avons ainsi prié. We prayed. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu bless you. Amen. Donc mon titre c'est La victoire du croyant. So my title is the victory of believer. Donc le sous-titre c'est la foi. And the subtitle is faith. Comme la Bible le dit.
As the Bible said, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. For whatever is born of God overcomes the world. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. And this is the victory that overcomes the world, even our faith. Et nous avons dit que la foi, c'est la révélation. And we said that faith is revelation. Donc la révélation, c'est la victoire. So the revelation is the victory. La fois passée, nous avions parlé de reconnaître sa position. Last time we spoke about recognizing your position. Et reconnaître la position, c'est avoir la révélation de soi-même. To recognize your position is to have the revelation of yourself. Connaître d'abord qui tu es. To know first who you are. Le fait de dire que la foi est un vainqueur. But what I'm saying, faith is a victory. C'est un vainqueur. It's an overcomer. Il dit la foi, c'est un triomphateur. Il dit faith overcome. Il dit que la foi, c'est un conquérant. Il dit faith is a conqueror. Il dit que la foi ne négocie pas. Il dit faith doesn't negotiate. La foi, c'est un vainqueur. Faith is a conqueror. Dans la statue de l'homme parfait. In the statue of a perfect man. Avant même de monter une étape. Even before going up the first stage. Il y a d'abord la foi. There is faith. Amen. Amen. Donc la foi c'est la fondation. Faith is a foundation. Avant d'aller au-delà. Before going over it. Vous commencez par la foi. You start by faith. Parce que vous pouvez construire une très belle maison. You can build a very nice house. Que tout le monde apprécie. That everyone appreciates. Mais si la fondation est mal fondée, but if the foundation is not properly made, la maison ne résistera pas. That house will not resist. Lorsque la tempête vient. When the storm comes. Et le frère nous dit que. So the brother said. La révélation c'est le rocher. The revelation is the rock. Amen. Et la Bible dit que heureux celui qui bâtit sa maison sur le rocher. And the Bible says, happy are those who build their houses. On the rock. Quand la tempête viendra, when the storm will come, la maison va résister. The house will resist. Amen. Amen. Donc la révélation, so the revelation, c'est par là que l'église est bâtie. It's from there where the church is built. Amen. Amen. Et frère, le frère Branham, the brother told me, frère Branham, je ne crois pas à la révélation. But I don't believe in revelation. Dit, bon, si tu ne crois pas à la révélation, c'est que tu ne crois pas à Dieu. He said, well, if you don't believe in revelation, that's means you don't believe in God. Quand nous parlons de la foi, when we speak of faith, nous ne parlons pas comme des pentecôtistes. We don't speak as Pentecostals. Nous parlons comme les croyants du message. We speak as message believers. Et le frère Branham dit que la foi c'est la révélation. But Branham said faith is revelation. La foi de l'enlèvement c'est la révélation de l'enlèvement. The faith of revelation of rupture is the revelation of rupture. La foi de l'enlèvement c'est la révélation de l'enlèvement. The faith of the rupture is the revelation of the rupture. C'est-à-dire que la foi, c'est quoi? L'enlèvement, c'est quoi? So, that's mean, what is rupture? C'est pourquoi le frère Branham dit que les sept tonnerres nous donneront la foi de l'enlèvement. That's what Branham said. The seven thunders will give us the faith of revelation. Parce que les sept tonnerres n'est rien d'autre que les sept sceaux. That's what the seven thunders is nothing less than seven sceaux. Le frère Branham dit que les sept tonnerres, c'est la voix de Dieu qui révèle les tonnerres. Branham said the seven thunders is the voice of God that revealing the qui révèle les tonnerres. Au travers de la révélation de ces tonnerres. Through the revelation of seven thunders. Nous avons compris la foi c'est quoi. We understood what faith is. C'est là où nous avons compris que. We understood. L'épouse était enlevée au chapitre 4. The bride was raptured at chapter 4. Et cela nous donne la révélation. And that gives us the revelation. De l'enlèvement. Of the rapture. Mais la plus grande chose. But the greater thing. C'est la révélation de soi-même. Is the revelation of it. Amen. Amen. Le frère Branham dit qu'un jour, un monsieur, un clochard est venu vers lui. But one is one day a junkie. A junkie came to him. Il dit, est-ce que tu peux me donner un sandwich? He said, can you give me a sandwich? Frère Branham dit, ok, pas de problème, viens ici. And brother said, there's no problem. Entre dans la maison. Come in the house. Le frère Branham a commencé à faire le sandwich pour lui. Branham started doing the sandwich for him. Et le frère Branham lui pose la question. And Branham asked the question. D'où viens-tu? Where are you from? Il a lancé ses épaules. He just moved his shoulder. Pour dire que je ne sais pas. Say that he doesn't know. Il dit, tu vas où? He said, where are you going? Il dit, je ne sais pas. He said, I don't know. Amen.
Et donc tu ne connais pas d'où tu viens. That means you don't know where you're from. Et tu ne sais pas là où tu vas. And you don't know where you're going. Donc tu es en train de marcher comme ça. So you're just walking like this. Des fois, on dit, ça fait combien de temps que tu fais comme ça, tu vis comme ça. But when I ask him, how long is it this you are living? Il dit, oh, je ne sais pas. He said, I don't know. Mais peut-être il y a beaucoup d'années, plus de 15 ans. Maybe there's so many years, maybe more than 10, or 15 years. Amen. Amen. Les femmes ont dit que quand nous sommes venus dans ce monde, but honestly, when we came on this world, nous devons avoir de grandes ambitions. We have to have great vision. Faire du travail, c'est bien. But honestly, working is good. Faire le business, c'est bien. Doing business is good. Avoir beaucoup d'argent, c'est bien. Having good money, a lot of money is good. Faire de toutes ces choses-là sont bien. But when I say all of those things are good. Mais la mission la plus élevée, but the highest ambition, c'est de connaître qui tu es. Is to know who you are. D'où tu viens. And where you're from. Et où tu vas. And where you're going. Amen. Amen. Mais faire de l'indiqué. Aujourd'hui, les gens vont à l'église. Today, people are going to church. C'est vraiment parce que les gens vont à l'église. It's just because people are going to church. Les gens mettent des habits. People are putting clothes. Parce que les autres les mettent. Because others are doing so. C'est pourquoi vous voyez une mode qui commence. That's why when you see a new fashion that. Ça va soulever le monde entier. It will go the whole world. Parce que tout le monde veut être conforme à tout le monde. Because everyone wants to be the same as everyone. Mais ça ne devait pas être comme ça pour les enfants de Dieu. Par contre, il shouldn't be the death of the children of God. Il dit, les enfants de Dieu ne viennent pas à l'église parce que tout le monde va à l'église. The children of God doesn't come to church because everyone. Il dit, mais un enfant de Dieu veut d'abord savoir qui il est. First, he said the true child of God wanted to know first who he is. C'est ça la force. That's the strength. Amen. Parce que si tu ne connais pas qui tu es, because if you don't know who you are, le diable s'est joué avec toi. The devil will play around with you. Amen. Tu peux aller à l'église. You can go to church. Tu peux être un bon membre. You can be a good member. Mais si tu ne connais pas qui tu es, if you don't know who you are, c'est compliqué. It's compliqué. Mais d'abord, avant de connaître qui tu es, before knowing who you are, tu dois d'abord connaître d'où tu viens. You have to understand to know where you're from. Amen. Amen. C'est comme si je parlais de l'aigle. It's like I spoke of the eagle. Donc la mère aigle était en train de donner la foi de l'enlèvement à l'aigle. The mama eagle was giving the faith of rupture to the small eaglet. The eagle. La mère aigle était en train de révéler à l'aigle qui il était. The mama eagle was revealing to the eagle who he was. Amen. Amen. Quand il est venu, when she came, elle a lancé un cri. Yes, she just shouted. Dans la basse-cour, tous les poussins en débandant. The chicken yard, every chicks, they were all running away. Et la mère aigle commence à parler. And the mother eagle says, l'aigle voulait aussi fuir. The eagle wanted to run away. Mais il s'est rendu compte que he noticed that. C'est comme si la voix là, il a entendu ça quelque part. That voice has heard it somewhere. Amen. Amen. Il recule un peu. He goes back. Le poussin dit. The chick said. Attention, l'aigle mange le poussin. Be careful, the eagles eat chicks. Il dit oui, oui, oui. He said yes, yes. Mais la voix là me semble familière. That voice seems like annoying. Je vais aller un peu là-bas et vous go there and listen. Ils ont dit non, non, non. He said no, no, no. Attention. Attention à ce qu'ils prêchent. Ils ne lisent pas la Bible. They don't read the Bible. Ils ne lisent que leur brochure. They only read the brochure. Amen. Ils ne savent pas que la Bible c'est un livre fermé. They don't know the Bible is closed. Et la brochure c'est un livre ouvert. And the brochure is an open book. Amen. Amen. Tu peux avoir cette Bible. You can have this Bible. Parce que le diable aussi en a. Because the devil also has it. Le diable dit que non, faut prêcher Jésus. The devil says preach Jesus. Non, faut pas prêcher par là. No, you shouldn't preach Brahma. Amen. Amen. Mais quel est Jésus? But which Jesus? L'homme de Galilée? The man of Galilee? Comment on dit lui, ce n'était qu'un homme? Brother said he was just a man. Il dit que la victoire, c'est connaître qui Jésus Christ est. He said the victory is to know who Jesus is. Amen. Amen. Parce que c'est ça que Pierre avait dit. That's what Peter said. Tu es le fils du Dieu vivant. You are the son of the living God. Tu es le Christ. You are the Christ. Amen. Ça dit le one. That means the holy one. Et aujourd'hui, and today, la victoire, the victory, c'est reconnaître le one de ces jours. It's recognize the anointing of these days. Et si vous le reconnaissez, and if you recognize it, lui il vous révélera qui vous êtes. He will reveal to you who you are. Et la mère a dit à l'aigle. And the mother eagle told the eagle, toi tu n'es pas un poussin. You are not a chick.
Tu es un aigle. You are an eagle. Amen. Que la mère lui enseigne le mystère de la prédestination. So the mother eagle was teaching the mystery of predestination. Et l'aigle dit. And the eagle said. Non, pas je suis un poussé. I know I'm a chick. Il dit pourquoi tu penses que tu es un poussé? Why do you think you are? Il dit parce que je suis né à la base. Because I was born here and called chicken here. Je suis un membre de l'église. I'm a member of this church, man. Il dit non, 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 tu es pas membre de l'église. You're not a member of it. Il dit si, si, si. He said yes, yes, yes. Mes grands-parents allaient un parent. C'était des baptistes. They were Baptist. Mon père c'est pentecôtiste. My father is a Pentecostal. Ma mère c'est une protestante. My mother is a Protestant. Je suis né dans l'église protestante. I'm born in the Protestant church. Amen. Amen. Dans notre église, in our church, le pasteur de mon père, the pastor of my father, a dit que les données ne sont pas révélées. The times are not revealed. Amen. Amen. Le pasteur de mon père a dit que Jésus n'est pas encore venu. My father's pastor said Jesus Christ has not come. On m'a dit toujours de faire attention avec les gens qui disent guérir dans le millénaire. Be careful, people those who say they were in the millennium. Be careful, people who say we are already in eternity. Amen. Amen. C'est ça qu'on disait. That's why we were taught. Quand j'étais dans l'église là-bas, when I was in church there, j'ai dit ah. Ah, c'est là. Mais parce que chaque fois tu dis que attention, je vais te donner. Pastor, you always say be careful, people with tongues. Est-ce que les gens peuvent défendre ça avec la Bible? Yes, would that people defend it with the Bible? Ou avec le message? Of the message. Il dit, ah, frère! Fais attention! Be careful! Il faut aussi les citations! They have citations! Moi, je me suis dit, les citations, c'est ça qui s'est arrivé! Il dit, non, attention! Il dit, non, attention! Il dit, non, attention! Il dit, non, be careful! Les données ne sont pas revenues! Les données ne sont pas revenues! Ah! Bon, moi, maintenant, je suis parti vers la mère. Non, I want to the mother evil. Je dis que je suis né dans l'église. I say, I'm born in the church. Et la mère elle me dit, and the mother evil said, bon, là, c'est ton histoire. Après ta naissance. So, that's your history after your birth. Maintenant, moi, je vais te dire ton histoire avant ta naissance. I will tell you your history before you were born. Amen. Amen. Il dit le jour de ta naissance. C'est the day you were born. Parce que si tu te renseignes, if you find out, nous, comme étant des oiseaux, as birds, nous donnons naissance en pondant les œufs. We give birth by giving eggs first. J'avais connu deux œufs. I gave two eggs. Mais quand je suis revenu, when I came back, je n'ai retrouvé qu'un œuf. I only found one. Un œuf. One egg. Œuf. C'est-à-dire que l'œuf qui était perdu. And that's the other one was lost. L'œuf qui était perdu, c'était toi. And the one that was lost, it was you. Comme tu étais dans l'œuf, because you were in the egg. Comme tu étais un attribué à Dieu, you were in the absolute God. Tu ne peux pas savoir. You wouldn't know. Amen. Parce que nos enfants ici, because your children are here, si on les avait mis sous quelqu'un d'autre, if we put them under somebody else, il va appeler cet homme-là papa. He will call that person dad. Sans que ce soit son père. He doesn't even be his dad. Et un jour, il faut lui dire que, the one day return, bon, je sais que tu appelles ce monsieur papa. Why you call this man dad? Mais il n'est pas ton père biologique. He's not your biological father. À moi? Really? Mais c'est qui encore? So who is it? Bon, lui, il t'avait pris parce que ton père était mort. He took you because your father probably died. Mais le véritable nom de ton père, the very true name of your father, c'est tel et tel monsieur. So and so, so. Amen. C'est ce que le message est venu faire. That's what the message has come to do. Il est venu nous dire, non, 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 non. He came to tell us, non, non. Avant la fondation du monde, before the foundation of the world, vous étiez en Dieu. You were in God. Pendant que Dieu créait, while God was creating, donc vous étiez déjà là. You were already there. C'est-à-dire que nous sommes même plus âgés que le monde. That's mean we're even older than the world. Frère, dit que si vous étiez en Dieu, the Lord said, if you were in God, c'est que vous êtes un être éternel. That's mean you were in eternal. Donc, you have ni commencement ni fin. You have no beginning and no end. Et si Dieu est tout puissant, and if God is Almighty, donc vous aussi vous êtes tout puissant. You also are upright. Si Dieu a la puissance, if God has power, c'est que vous aussi vous avez la puissance. You also have power. Amen. Maintenant, c'est à vous de croire ou de rejeter. Now it's about you to believe or. Et cette révélation est venue au moyen des sceaux. And that revelation has come under the seal. Parce qu'en dehors des sceaux, tu ne reconnaîtras jamais qui tu es. Because without the seal, you will not recognize who you are. Et cette révélation nous redonne notre position de fils. And that revelation gives us the position. Ça, and when you believe him, on t'amène sur la haute montagne, take it high in the mountain, et on t'adopte, and he adopts you. L'adoption de Dieu, the adoption of God, la remise de pouvoir, the giving of power,
puissance. Of to the Son. Donc ça dit, on te remet simplement la puissance. It only gives you the power. Vous savez, quand on parle de l'héritage, when we talk about heritage, l'héritage c'est en fait quelque chose qui vous appartient. The heritage is something that belongs to you. Amen. Amen. Parce que quand ton père faisait le travail, so when your dad was doing the job, tu étais en lui. You were in him. Comme attribut. As an attribute. Voilà pourquoi tu es né, tu as pris son nom. That's why you were born and you took his name. Ça veut dire que tout ce qui lui appartient, that means everything that belongs to him, c'est là qu'appartient automatiquement. Belongs to you straight away. Amen. Amen. Donc l'héritage c'est quelque chose que tu ne demandes pas. So the heritage of something that you do not ask for it. Parce que because tu as participé, you participated dans ce monsieur-là comme étant attribut. And in that person as an attribute. Amen. Amen. Voilà pourquoi même nous héritons de maladies héréditaires. That's why we get hereditary sickness. Parce que tu étais en lui. Because you were in him. Amen. Amen. Donc si nous pouvons hériter cela, if we can inherit that, parce que because c'est toi comme étant attribué dans le père, that attribute in the father. Maintenant quand vous prenez ça maintenant dans l'âme, if you take it now in the soul, si ton âme était en Dieu, if your soul were in God, tu hériteras tout ce qui est en Dieu. You will inherit everything that was in God. Amen. Maintenant en Dieu il n'y a pas de maladie. In God is no sickness. Amen. Voilà pourquoi, that's why, dans l'âme l'homme ne tombe pas malade. Yeah, so the man doesn't feel sick. Et l'homme dans son âme, il est un tout puissant. And the man in his heart is a mighty one. Le but de ce message, the purpose of this message, focalise dans l'âme. Wow. Focus in the soul. Amen. Amen. Et quand on dit que nous sommes des tout puissants, when we say we are the Almighty, c'est au niveau de l'âme. It's in the soul. Ça veut dire que le seul endroit où on trouve l'âme, the only way on trouve la foi, we find faith, c'est au niveau du cœur. It's in the heart. C'est dans l'âme. It's in the soul. Et si la révélation de ce message, if the revelation of this message, n'atteint pas l'âme de l'homme, does not enter the heart of man, l'homme ne sera pas vaincu. The man will not be a conqueror. La chose qui avait rendu Jésus victorieux, the thing that made Jesus victorious, c'est parce que Jésus avait la révélation de soi-même. Because Jesus had a revelation of himself. C'est-à-dire que quand vous venez à l'église, it's because it's when you come to church. Ou quand vous lisez la parole, when you read the Bible, ne le lisez pas pour moi. Don't read it for me. Vous lisez ça pour vous-même. You read it for yourself. En lisant, tu cherches maintenant, by reading, you're looking for, à connaître ton identité. To know your identity. Quand tu arrives devant la porte, tu te demandes qui suis-je? When you get to wonder who you are, d'où est-ce que je viens? Where am I from? Et où je vais? Where am I going? Et une fois que tu trouves d'où tu viens, as soon as you find where, là tu sauras que from there you know, tu es un prédestiné. You are a predestined. Amen. Amen. Comme j'avais dit un jour, as I said one day, un monsieur, a man, il a dit à un frère, he told a brother, il dit ah frère, so, moi je pense que je suis une semence du serpent. Ah, c'est quand même la semence. Il est pourquoi? Il dit parce que tout ce que ce message dit, because if it's message, je n'arrive pas à atteindre ce niveau-là. I cannot get to that level. Et je n'arrive pas vraiment à croire ce que Branham dit. I cannot believe what Branham said. Ah, j'ai compris que Jésus c'est pour moi la semence du serpent. Only in God, the Son of God, I'm the Son of God. Amen. Mais un autre regard, il dit que non, frère, moi j'ai compris que dans ce message je suis un prédestiné. I believe this message, I'm a predestined. Amen. Je n'ai ni commencement ni fin. I have no beginning and no end. Amen. C'est-à-dire que quand vous avez la foi de l'enlèvement, when you have the faith of rupture, vous comprenez d'abord l'objectif de ce message. You understand the objective of this message. Et vous cherchez à comprendre ce que ce message est venu faire. And you understand what this message has come to do. Et une fois que cela entre dans le cœur, once that enters in your heart, c'est fini. Amen. Donc, ce que moi je crois aujourd'hui, what I believe today, peu importe, no matter what, je sais que I know c'est le frère Branham qui l'a dit. Branham said it. Avant d'être de chercher une cité, Abraham was looking for a city où le constructeur était Dieu lui-même. Where the builder was God himself. Et Abraham était l'héros de la foi. Abraham was a hero of faith. Donc c'était un homme qui marchait. It was a man that was walking. Il cherchait une cité. Was looking for a city. Et il ne savait même pas. And he didn't know d'où est-ce que cette cité allait venir. Where that city will come from. Amen. Mais il croyait dans son cœur.
He believed in his heart. Il y a une cité. There's a city. Et un jour, il se promenait. And one day, he was walking around. Il a vu Melchizedek. He saw Mrs. Shedden. Lui qui était le roi de Salem. Who was the king of Salem. Amen. Amen. Lorsqu'il avait Melchizedek, il avait compris que la cité n'était plus loin. He said he knew that the city is not far. Amen. Amen. Qui est ce Melchizedek? Who is this Melchizedek? Frère, Melchizedek, ce n'est pas Jésus. Vraiment, c'est Melchizedek, is not Jesus. Parce que Jésus avait un père et une mère. And Jesus had a father and a mother. Et Jésus avait un commencement et une fin. Jesus had a beginning and an end. Dans son corps, il était tout homme. But I want to say, in his body, he was totally man. Amen. Amen. Il dit, mais dans son âme, il était Dieu. But in soul, he was God. Mais celui qu'Abraham avait rencontré, but the one that Abraham met, ce n'était pas Jésus de Nazareth. It wasn't Jesus of Nazareth. Mais c'était Melchizedek. It was Melchizedek. Amen. Amen. Le roi de Salem, the king of Salem. Lorsque Abraham a rencontré Melchizedek, when Abraham met Melchizedek, il lui a donné le pain et le vin. He gave bread and wine. Comme Melchizedek, as Melchizedek annonçait la venue de la cité. Announced the coming of the city. Et aujourd'hui, le frère Abraham nous a parlé de qui est ce Melchizedek. Today, we are going to talk of who is this Melchizedek. Et si Melchizedek est ici, and if Melchizedek, cela veut dire que la cité n'était pas loin. That means the city was not far. Donc la cité était proche. So the city was close. Et quand Dieu parle du proche, when God speaks of closer, ça est là. He said, Amen. Amen. Abraham à son époque, Abraham in his time, envoyait Melchizedek, showing seeing Melchizedek. Melchizedek lui-même était la cité. Melchizedek himself was the city. Mais lui, il n'avait pas compris. But he didn't understand. Melchizedek came today. Il était lui-même la cité. He was himself the city. Et en lui, il avait tout le peuple. And in him had all the people. Et le peuple a été formé de la nuée. And the people was made of cloud. Et la cité était là. And the city was there. Amen. Amen. La foi maintenant dit, dans la foi est notre victoire. But when I say the message, faith is our victory. Et nous disons que durant toute sa vie, Abraham était un pèlerin et un étranger au monde. And we read around all his life, Abraham was a pilgrim and a stranger in this world. En effet, sa seule ambition était de trouver cette cité dont l'architecte était le constructeur et Dieu. In fact, his ambition was to look for a city where the builder was God. Amen. Amen. Oh, Dieu! God, d'après Jean 4, Dieu est l'Esprit. According to John 4, God is Spirit. Si il est le constructeur, if he's the builder, et un architecte, an architect, donc la cité qu'il construit, that's the city that is built, ça ne sera pas une cité physique comme ça. It will not be a physical city like this. Amen. Amen. Comme lui il est l'Esprit, as he is the Spirit, et la cité qu'il domine, and the city that he brings, ça ne sera pas une cité comme nous voyons. It will not be a city as you see. Amen. Et Abraham attendait cette cité. And Abraham was waiting for that city. Amen. Amen. Il touchait quelque chose. He touched something. Il saisit Dieu et eut la foi en Dieu là, en ce Dieu là. He caught God and had faith in that God. Il dit, ainsi il vit à l'avance la nouvelle Jérusalem. And he saw in advance the new Jerusalem. Amen. Amen. Et il mit ses bagages au dos. And he took his stuff. Et devint un errant. And became a pilgrim. I wonder. Il n'est pas juste un erreur sans objectif. Without objective. Il avait foi qu'il y avait une cité dont l'architecte et le constructeur était Dieu. He had faith that there was a city where the builder was God. Une cité éternelle. An eternal city. Amen. Amen. Mais quand Abraham revenait, so when Abraham came, si il dit aux gens là, if you tell people, vous voyez la cité que j'étais en train de chercher. See the city I was looking for. J'ai vu maintenant le roi de cette cité. I saw the king of that city. Qui va le croire? Who will believe him? Amen. Mais Abraham avait la foi. But Abraham had faith. Que Melchizedek l'avait vu. And Melchizedek that he saw. C'était lui le roi. He was the king. Qu'est-ce que Melchizedek a fait? What did Melchizedek do? Melchizedek c'était celui qui discernait le conseil. Melchizedek was the one who was discerning the thoughts. C'est celui-là qui avait changé son nom. He's the one who changed his name. Et aujourd'hui Melchizedek a fait la même chose. And today Melchizedek has done the same thing. Mais les gens continuent à chercher la cité. People are still looking for the city. Et comme on a dit que cette cité, as we said that city, c'était ça que Jésus était parti préparer. It was the one that Jesus wanted to prepare.
Donc si Jésus est parti préparer la cité, if Jesus went to prepare the city, et quand il revient, and when he comes, lui en tant que Melchizedek, he as a Melchizedek, il doit ramener la cité avec lui. He has to bring back the city with him. Parce que c'est la nouvelle Jérusalem qui vient d'en haut. Because the new Jerusalem coming from above. Amen. Amen. Selon le frère Branham dit qu'il est parti préparer le corps. That's what Brother Branham said. He went to prepare the body. Non, corps que vous fallait. How to offer the body. Amen. Amen. Il dit, he said, il avait comme objectif dans la vie de trouver ce lieu. He had as an objective in life to find that place. C'est ça l'objectif de tout un croyant. That's the objective of all believers. So quand tu pries, when you pray, tu cherches d'abord, you look first, la cité, the city. Amen. Amen. Là où tu vas, where you're going, pas une cité qui a été construite par la reine. Not the city where it's built by the king. Ou par le gouvernement britannique. Or the government. Ou bien par Benjamin Netanyahu. Or Benjamin Netanyahu. Amen. Amen. Tout ce qui se passe là-bas, ce n'est pas notre problème. Everything that's happening there is not our problem. Là-bas, la capitale, Jérusalem a été déclarée comme capitale. There, Jerusalem was declared as a capital. J'ai parlé avec un frère. I was talking to him. Il dit que Dieu a envoyé Donald Trump dans un but. God sent Donald Trump to the devil. Déjà, Jérusalem, c'est la capitale d'Israël. Jerusalem is the capital of Israel. À bientôt, ils vont détruire le temple. Soon, they will destroy the temple. Amen. Melchizedek n'a pas construit Jérusalem. Melchizedek didn't build Jerusalem. Amen. Amen. Parce que Melchizedek, Abraham avait rencontré. Melchizedek, that Abraham met. Il a discerné les pensées. He discerned it all. C'est lui qui était le roi de Salem. He was the king of Salem. Maintenant, vous, le roi de Salem, c'est qui? And you, who's the king of Salem? C'est Benjamin Netanyahu. It's Benjamin. Vous, c'est Donald Trump. Who's Donald Trump? La chose là n'amènera que les désordres. That will want to bring disaster. Qui nous amènera dans la troisième guerre? That will take us into the third world war. Parce que les Palestiniens disent que, because the Palestinians are saying, Israël nous a envahis. Israel, Sarotin invaded us. Parce que dans leur pensée, because in their mind, les Israéliens, the Israelites, sont venus les envahir. They came to invade them. Amen. Amen. Or Israël aussi, Israel also, dit que c'est notre terre que Dieu nous a donnée. It's our land that God has given to us. Prouvé par quoi? Proof of what? Prouvé par la Bible. Proof by the Bible. Or les musulmans, ils ne croient pas la Bible. Why? Most of them believe the Bible. Voyez la confusion. Where you see the confusion? Maintenant, Dieu n'est pas dans cette Jérusalem. God is not in that Jerusalem. Tout ce que cette Jérusalem n'a pas de produire, c'est la guerre. What that Jerusalem will produce is only war. Poutine est de l'autre côté. And Poutine is the other side. Donald Trump fait ses déclarations. Donald Trump is doing his declaration. Déjà, il va annuler le programme nucléaire avec l'Iran. He will annulate. Il a déjà annulé. He has already annulated. Il s'est retiré de l'accord. He came off of the accord that they had. Et l'Union européenne est contre lui. And the European Union against him. Mais nous savons, nous connaissons leur jeu. But we know their game. Ils vont s'aligner derrière lui. They will. Ils vont s'aligner derrière lui. They will be behind him. Et de l'autre côté là-bas, and the other side, il y a la Syrie. There is Syria. Et Poutine derrière. And Poutine at the back. Donc, en ce moment, nous avons deux camps. In this moment, we have two new sites. Et Donald Trump a fait deux choses qui ont bougé la planète ces derniers temps. Donald Trump has done two things that have shaken the world. L'accord de nucléaire. The accord of nuclear war. Et Jérusalem. And Jerusalem. La promesse de Jérusalem a commencé depuis, je crois, George Bush. The promise of Jerusalem started since George Bush. Il a fini ses deux mandats. He finished his two. Il ne l'a pas fait. He didn't do it. Parce qu'il en connaissait les dangers. Because he knew the danger. Après lui, Bill Clinton, je crois Clinton, c'est Clinton qui est venu avant Bush. I think Clinton came before. Ça commence avec Clinton. He started with Clinton. Il a fait ses deux mandats. He did his two. Il est parti. He left. Il n'a pas réalisé ça. He didn't realize the promise. George Bush deux. George Bush the second. Il a fait la même promesse. He did the same promise. Deux mandats. Two men. Il est parti. He went. Ce n'était pas réalisé. It wasn't. Obama est venu. Obama came. Deux mandats. Two men. Deux mandats. Il n'a pas réalisé la promesse. He didn't realize the promise. Et voilà apparaître un voyou. Parce que vous savez, Trump et Poutine, c'est presque pareil. Oui, non, Trump et Poutine, c'est vraiment ce que nous avons affaire à vos défauts. Oui, tu dis, vous êtes sûr, maintenant. Celui-là va voir le volcan. Le volcan. That one will drink the volcan. L'autre va voir le Johnny Walker. That one will drink the Johnny Walker. Donc, tout ce qui se passe à Jérusalem là-bas,
it's a The rapture will take place. Mais nous, nous avons déjà vu Melchizedek. We have already seen Melchizedek. Amen. Oh, quand Melchizedek descend, when Melchizedek comes, il amène la cité. Brings the city. Et la cité. And the city. Nous amène la foi. Brings us faith. La cité nous dit que le corps que vous habitez là, c'est une maison de pestiférés. The city said that the body that you're living in, vous venez d'un corps perishable. Your true body. Je les ai ramenés avec vous. I've brought it with me. Amen. Amen. Ça est là. If they say, "Attendez le lendemain au rapture," soon the rapture will take place. C'est sous quel sceau? It's under which seal? Amen. Vous allez placer ça sous quel sceau? You place it under which seal? Les six trompettes ont sonné sous les sixième sceau. The six trumpets sounded under the sixth seal. La lendemain c'est sous le quatrième sceau. The rapture is under the fourth seal. La descente de l'animal c'est le septième sceau. The coming of the cloud is the seventh seal. Mais la lendemain vous le placez où? In a way you're placing the rapture. Amen. Maintenant, si vous ne savez pas là où vous êtes, if you don't know where you're standing, c'est que vous êtes foutu. That's it, you're foutu. Voilà pourquoi nous avons besoin de la foi. That's why we need faith. La foi qui est notre victoire. The faith which is our victory. Les frères m'ont dit ceci. Mais voilà, c'est. Et puis je dis ici, and let me say this, qu'un jour, quand la bataille fut terminée, and when the battle was finished, il rencontra le roi de cette cité. He met the king of that city. Et celui-ci lui donna la communion. And this one gave him the communion. Le pain et le vin. Le bread and wine. Le pain, c'est la parole. Bread is the word. Et le vin, c'est la révélation. And the wine is the revelation. Amen. Donc quand on rencontre, on dit que nous sommes en train de manger la chair sacrée du Fils de l'homme. So we are eating the sacred body of the Son of Man. Nous avons vu Melchizedek. We saw Melchizedek. Qui est descendu? Who came down? Pour nous montrer la cité. To show us the city. Amen. Amen. Mais quand nous reconnaissons, so when we recognize, ce que nous sommes, who we are, c'est ça notre victoire. That's our victory. Amen. Amen. Le Pharaon dit ceci. La foi est notre victoire. Pardon, mais toi. Faith is our victory. Proverbs 33. Il dit maintenant la foi, c'est un vainqueur. He said now faith is a conqueror. La foi, c'est un triomphateur. And faith is a triumphant. Ce n'est pas simplement un pacificateur. It's not just a peacemaker. Elle triomphe. But he overcomes. La foi, c'est la victoire qui triomphe du monde. The faith is a victory that overcomes the world. Amen. Quand on parle du monde, when we talk about the world, ce sont les enseignements du monde. It's the teaching of the world. Amen. Amen. Que fait-elle? What does it do? Qu'est-ce que la foi? What is faith? Qu'est-ce que le vainqueur? What is the victory? Conquérir et la victoire, c'est la même chose. Conquering and victory is the same thing. Conquérir signifie battre, l'emporter sur. Conquer means fighting or taking over. Mettre les menottes, handcuffs, jeter en prison. Throw in prison. Cela signifie que le péché qui a une fois dominé sur vous, that means the sin that once dominated on you, vous dominez sur cela maintenant. You are dominated on it. Parce que le péché, sin, c'est comprendre les choses contrairement à la pensée de Dieu. It's to understand things contrary to the word of God. Quand Jésus parle du temple, when God talks of the temple, vous pensez que c'est un bâtiment. You think it's one building. La nouvelle Jérusalem, the new Jerusalem. Vous pensez que c'est cette Jérusalem. Mais c'est la nouvelle Jérusalem. It's the new Jerusalem. On ne parle pas de la Jérusalem. We don't talk about the Jerusalem. On parle de la nouvelle Jérusalem. Nous parlons de New Jerusalem. C'est ça. Amen. 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 Mais là, comment est-ce que vous pensez que c'est celle-là? How do you know it's that one? On va construire, they will build, le temple, a temple, dans l'ancienne Jérusalem, in the old Jerusalem, pour faire quoi même? To do what? C'est ça le péché. That's the sin. Et la foi est vainqueur sur ça. And the faith is a victory. Ça dit vous devez d'abord vous vaincre vous-même. You have to overcome yourself. Dans la méditation, in meditation, tu es en train de voir. You start to see. Si le frère Branham, qui est le messager, if Branham, he who is the messenger, il a quitté la scène, left the scene, qu'est-ce qui lui reste encore? What's left?
idée, that's what we're going to call him leave, sans que le livre puisse descendre, without the book come down. Amen. If I come down to go. Et le frère Branham ne pouvait pas quitter, and we're going to call him leave, sans amener l'église dans l'enlèvement, without getting the church a rupture, ou sans présenter Jésus, without presenting Jesus. Si le frère Branham le fait, if Brother Branham did, c'est un faux prophète. Amen. It's a false prophet. Amen. Et après l'ouverture des sceaux, after the opening of the seal, jamais il y aura un enlèvement. Wow. Never be erupted. On pouvait penser à ça. When you think of it, avant l'ouverture des sceaux, before the opening of the seal, parce que l'ouverture des sceaux, because the opening of the seal, finit l'histoire. Finishes the history. Amen. Donc c'est l'accomplissement, vraiment c'est l'accomplissement et l'aboutissement de toutes choses, les écritures et de tous les types. What I'm saying is the fulfillment and the fulfillment of every scriptures. C'est maintenant là que vous devez commencer avec. That's where you start overcoming. Quand tu as écrit d'abord le royaume, when I believed the kingdom, j'étais déjà croyant du message. Je veux message. Mais pour être un croyant du message, c'est le royaume qu'il faut croire. It's the kingdom. C'est là que vous commencez maintenant à être croyant. That's where you start to believe, you start to be a message. Oui, parce que quand vous croyez quelque chose d'autre, when you believe something else, donc vous avez les mêmes définitions que les pentecôtistes. You have the same definition as the pentecôtistes. Donc la différence entre vous et eux, the difference between you and them, c'est Branham a dit. Branham said. Mais on a vu aussi les diables dans les écrits du message. I also saw the devil in the message. Believe it. Dis aussi Branham a dit. Say Branham said. Mais un pécheur, but a sinner. Dis Branham a dit, ce n'est pas tout. Say Branham said is not. La victoire, but the victory, c'est avoir la pensée de Branham. You have the thought, the mind of Branham. Quand il parlait de la nouvelle Jérusalem, when he was talking of the new Jerusalem, what was he talking about? Et quand vous avez la foi sur ça, when you have faith on it, maintenant vous êtes vainqueur sur vous-même. Now you are a conqueror on yourself. Amen. 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 C'est pourquoi. That's why. Ces choses ne demandent même pas de discussion. This thing doesn't ask debate. C'est le troisième point. It's the third seal. Ça veut dire quoi dans le discours? Il y avait un gars. There was a woman. Qui fumait. That was smoking. Et un jour il a pris la décision d'arrêter de fumer. When they took the decision of to stop smoking. Frère Bambi, on a prié. But what's in the prayer? Je lui ai posé les mains. Ah, les mains. Il dit, mais il continue toujours à fumer. He continued to smoke. Il n'arrêtait pas. He didn't stop. Et un jour il est parti à l'hôpital. So one day he went to the hospital. Et le médecin lui a dit. And the doctor told him. Je vois un cancer à toi. I see a cancer. Donc le cancer là, il s'est installé parce que tu fumes. And that cancer is in you because you smoke. Frère Bambi, il est parti au travail. Say you went to work. Il dit, vous voyez? So what? Là, ce n'était plus une voix flottante. It wasn't a floating feather. C'était maintenant une voix ancrée au niveau de la tour. It was a faith ancient. Frère Bambi, dès qu'elle est entrée au travail, when he went to work, le cancer est parti. The cancer. Amen. Amen. C'est ça le problème. That's the problem. Donc, quand nous entrons au travail, when we get into work, du côté de la révélation, in the revelation, tu entres au travail, you get into work, en cherchant la révélation par rapport à ce que le frère Branham dit. Looking for the revelation according to what Brother Branham dit. Parce que c'est vraiment parce qu'on dit à la base, c'est qu'on dit à la base cour. Not what they say in the chicken yard. Amen. Parce que à la base cour on dit ceci. Because in the chicken yard, they say, toi tu fais simplement comme ça. You only believe in this. Là tu n'es pas vainqueur. Then you're not in the conqueror. Frère Branham dit que la foi doit vaincre. Brother Branham said, faith has to overcome. Il dit, cela signifie que le péché qui a une fois dominé sur vous, vous dominez sur cela. It means the sin that you should dominate on you, you're dominating. Cela signifie que vous avez triomphé de cela. That means you have overcome it. Vous êtes plus grand que cela. You are greater than it. Et vous dites, oh, je me sens religieux maintenant. Oh, I feel religious now. Donc en ce moment, now in this moment, quand vous venez, when you come, vous dites que you say, vous attendez le messager de Malachi 4. We are waiting for the message of Malachi 4. Non, c'est grave. I would love. Parce que je sais que le messager est déjà venu. Because I know the message is already. Tu peux m'amener le noir sur le blanc. You can bring it black to white. Je sais qu'il est déjà venu. I know it's already. Tu m'amènes, tu viens aujourd'hui. You come today. Du fond, tu es venu, non? You say, à bientôt, il y aura l'enlèvement. Soon there will be the rapture. Je me moque. I will laugh. Parce que c'est du passé. Well, this is already the past. Parce que
Si j'ai conçu des plans d'adaptation, je ne sais même pas si je vais pratiquer où il fait ça. Take the redemption plan, I don't know where you will. Mais ça, c'est une affaire de révélation. And this is the revelation. Comme la révélation que nous avons des frères Branham. Because the revelation we have for Branham. Vous savez, beaucoup de gens ne croient même pas au frère Branham. You know, many people don't believe Branham. Ils disent que le frère Branham est prophète. They say Branham is a prophet. Mais ils ne savent même pas qui est un prophète. You don't know who is a prophet. Un prophète, c'est Dieu lui-même sur la terre. A prophet is God himself. Donc, il est venu pour vous révéler la pensée de Dieu. He comes to reveal the mind of God. Maintenant, quand on montre à quelqu'un ce que le frère Branham a dit, ce qu'il doit faire, il doit entrer en travail. He has to go to work. Étudier les choses profondément. The things. Comment le frère me demandait? And brother asked. Il dit, mais frère, c'est brother, comment est-ce que nous sommes dans le millénaire? How are we in the millennium? Moi je dis non, c'est pas moi qui dis que nous sommes dans le millénaire. C'est not me who said. C'est le frère Branham qui l'a dit. Branham said. Il dit comment? I said how? Mais le frère Branham dit que les sept millénaires c'est le millénaire. Branham said the seventh millénaire. The seventh millénaire. C'est le millénaire. The millennium. C'est ça le frère Branham dit. That's what Branham said. Je ne sais pas. Ça se passe comment le millénaire en question. I don't know how that happened. Il dit comment? I said, how? Moi, les premiers 2000 ans. First 2000. D'Adam à Noé. To Adam to Noé. Et d'Adam de Noé à Jésus. And from Noé to Jesus. 2000 ans. To the 2000. Et de Jésus à nos jours. And from Jesus to our days. 2000 ans. 2000 ans. Je vais dire comme je vous ai dit ici. Avec notre calendrier corrompu. With our corrupt calendrier. Nous sommes déjà en 2018. We are already in 2018. Il dit que l'État devait être abrégé. Le problème, c'est temps de être chaud. Amen. Et je lui dis aussi que le frère Branham dit que notre calendrier est en état de 17 ans. Le problème, c'est que notre calendrier a été élevé à 17 ans. Moi, j'ai dit, frère, d'après toi, nous sommes où? C'est vrai, according to you, where are we? Il dit, c'est là. C'est difficile. It's very difficult. Bon, je dis, ce n'est pas difficile. See, it's not difficult. Non, le problème avec toi, the problem with you, je cherche à comprendre. You start to understand. Frère Branham dit que la foi ne résonne pas. C'est fait, c'est la foi dit amen. Faith says amen. Eh, c'est ça que nous avons fait. That's what we have. Mais là, si nous serons des fous, je m'en fous. Parce que la chose est ancrée dans mon cœur. Because the thing has entered in my heart. C'est ce que nous enseignons ici. It's what we teach you. Il me dit, mais en ce moment, nous sommes dans quelle partie de la rédemption? He said, in this moment, we are in which part of redemption? Moi, je dis, en réalité, in reality, même les millénium là, even the millennium, c'est déjà passé. Moi, je dis, non, parce que ça, c'était le millénium élément temps. Because that was the millennium time element. Mais il dit, mais nous regardons la montre. So we still need to watch it. Non, tu n'as pas de montre. C'est toi qui as ta voix. Moi, je te dis, parce qu'un être éternel peut regarder la montre. Et tu n'as pas de montre. Moi, je dis, est-ce que toi, quand tu fais un songe, when you do a dream, tu regardes la montre. Et tu regardes la montre. Oh non. Non. Moi, je dis, mais non, parce que les songes, c'est la montre de subconscient. Because this dream in a subconscious world. Parce que là, la montre n'existe pas. There's no watch. There's no watch. Moi, je dis, pour Dieu, les temps, c'était les âges. What time was it? Ages. And for Israel, the 70 semen. And for Israel, the 67 weeks. And when we came, for Israel, there is like a moitié de la semaine. For Israel, only like one and a half of a week. But the first thing that we have to see, that's the thing that our trouble. Because for lui, for him, le temps était déjà épuisé. The time was already finished. Pour lui, pour lui, that's why he went to work. Parce que le temps déterminé par Dieu, because the time determined by God, touchait déjà à sa fin. Was c'est là que Daniel a commencé à prier. When Daniel started praying, et Dieu l'a répondu. And God answered. Maintenant, pour nous, quand nous avons commencé les âges de Christ, for us when we started to change, c'était ça le temps pour Dieu. That was the time for God. Et maintenant, quand on finit maintenant, now when we finish, la 70e, the 70 semaine, the 70 weeks, après que la révélation du Fils de l'homme, with the revelation of the Son of Man, c'est ce qu'il était là-bas. That's what he was there. Nous clôturons la 70e semaine. We finished the 60 weeks. Je lui ai dit que la nuée n'a rien à voir avec le 7e millénaire. I said the cloud has nothing to do with the 7th. Parce que le frère Branham me dit que, my brother says, non, il me dit, he said, comment ça? He said, how? Moi, je dis, mais la nuée vient de l'éternité. He said, I said, the cloud came from eternity. Il dit, oui. He said, yes. Moi, je dis, mais quelque chose d'éternité, toi, tu connais ça dans l'état. Something of eternity, you want to put it in time. Il dit, ah. He said, ah. Okay. Tu as raison. You're right. J'aime Mukesh. Mukesh! C'est-à-dire qu'on doit entrer en travail. We have to go. Je lui ai dit que, I said, quand la nuée descend, when the cloud comes down, moi je dis que ce sont les corps qui sont avec toi.
C'est la nouvelle cité, it's the new city, qui nous a donné dans l'éternité. Moi je dis on n'entre pas. We don't enter. On reconnaît simplement. Parce que elle est éternelle, ni commencement ni fin. Il dit ah tu as raison. Il dit ah tu as raison. Il dit ah. Ah c'est un message. Amen. Mais quand nous avons cette foi-là, now when we have that faith, frère, vous pouvez même me taper. Je crois déjà à ça. I believe it. Hein, c'est comme je disais. Non, un monsieur il disait que non. A man was saying that. Il était parti quelque part. He went somewhere. On lui présente la viande. He was showing meat. Ah, il mange. Au lieu de demander, lui mange. Instead of asking, he was eating. Après avoir mangé, after eating, il fait même les renvois. Wow. Ah, c'était bon. Oh, it was nice. Il est au fait. Monsieur, oh, mais what did you eat? Non, il n'y a pas de même le même jour. He didn't ask the same thing. Deux jours après, two days après, il revient. He comes. Il dit, ah, qu'est-ce que tu avais mangé ce jour? What did you eat last night? Il dit, mais c'était les chiens. Il dit, yeah! Il dit, yeah! Moi, je ne mange pas les chiens. I don't eat dogs. Il dit, oh, mais toi, tu as mangé ça. You've already eaten it. Mais là, même s'il mettait son corps à performer, c'est trop tard. Parce que les chiens, déjà, en train de les souffrir. De présenter aux gens ce que nous croyons. Parce que la Bible dit que si la trompette rend un son confus, if the trumpet sounds a confused sound, qui se préparera pour la guerre? Donc ça dit que le son doit être clair. The sound has to be clear. Même si je suis dans l'erreur, mais je dois être sincère dans mon erreur. C'est sûr dans ma erreur. Mais là-bas, à Kinshasa, les pasteurs Capet ont organisé une conférence sur les conséquences. Et dès Kinshasa, on a organisé une conférence sur les conséquences après le CEO. Il a invité les pasteurs. Il invite les pasteurs. Ils ont fui. Ils ont pris. Il a dit, mais venez. Mais c'est quand? Venez nous dire ici. Come and tell me. Nous croyons le millénium. We believe the millennium. Personne n'est venu. No. Mais quelques-uns qui sont venus là. Ça vous dit à quel moment? Ça doit être un bon parti. Ils n'arrivent pas à aller droit au but. You cannot go straight to the purpose. Amen. Voilà pourquoi nous croyons ce que nous croyons. That's what we believe. Les gens, les gens ne font que critiquer. People start only criticizing. Mais depuis que je suis dans cette ville, since I'm in the city, je n'ai jamais vu quelqu'un. I've never seen somebody qui m'approche pour me dire, après, parlez un peu de ce que vous croyez. They come to me and say, brother, let's speak about what you believe. Ils m'ont même pas demandé. None have asked me. Mais but ils disent, vous savez ce qu'ils croient là-bas. You know what you believe there. Ils croient ça et ça. They believe this. Mais ça, c'est pas honnête. That's not honest. Viens trouver la personne. Come and see the comme person. Comme ça, on en parlera. And then we'll mais ils savent que but they know nous avons des citations. We have conditions. Comme mon pasteur me disait. Like my pastor. Attends, que les gens aient donné des citations. See, the people tell us themselves conditions. Amen. Mais là, si je dis que je suis dans le 8e jour, if I'm saying the 8 days, c'est pas moi qui l'ai dit. I'm not the one. C'est le frère d'Abraham qui l'a dit. My brother said. Et le frère d'Abraham dit que Melchizedek. Pardon, Abraham a rencontré Melchizedek. Abraham a Melchizedek. Et c'est lui qui était le roi. He was the king of the city. Mais nous aussi nous avons rencontré Melchizedek. Also, we also met Melchizedek. Parce que Melchizedek en cette Abraham en ce temps, il ne pouvait pas voir la ville. Abraham in that time couldn't see the city. Parce que ce n'était pas bon le temps. Because it wasn't yet the time. Mais en notre temps, in our time, si nous voulons Melchizedek, if you see Melchizedek, nous ne voyons pas la ville. We don't see the city. Non, c'est que nous sommes malheureux. That's what we are there. Parce que le roi représente toute la nation ou tout le royaume. Because the king represents the whole kingdom. Amen. Parce que frère Branham dit que chapitre 1. Revelation chapter 1. C'est la venue du royaume. It's the coming of the kingdom. C'est ça le troisième dessin. That's the third purpose. Parce que le frère Branham en tant que la dernière étoile entre les mains de Dieu. Barbara is the last star in the head of God. Il ne pouvait pas quitter la scène. He couldn't leave the scene. Sans révéler, sans accomplir le troisième dessin. Without fulfilling the third purpose. Amen.
from the heart. Donc croyez du cœur, croyez. It is. Until something comes down on the inside of you that just says it's so. And that's all there is to it. There is not enough demons out of torment could ever shake it from you. Jusqu'à ce que quelque chose entre au-dedans de vous. Until something enters inside of you. Il dit, il n'y a pas assez de démons pour les sortir de toi. There's not enough demons to get out of you. C'est quelque chose qui est à l'intérieur. It's something that's inside. Dans ce qu'on appelle cœur. In what we call heart. Il dit, c'est là que la foi réelle. C'est là que la foi réelle trouve sa place. Sa place de repos. There is where a real faith found its resting place. Amen. Même dans les problèmes. Even problems. Une fois que nous découvrons qui nous sommes. As soon as we discover who we are. Donc la foi de soi-même. Then the faith of itself. Amen. Là maintenant, quand tu te places devant un problème. Then when you place yourself before a problem. En tant que tout puissant, as a Almighty, tu prononces la parole, you pronounce the word, tu crois à ça, you believe in it. Frère Manon dit que quand Dieu créait, Manon dit when God created, quand il a prononcé la parole, when he pronounced the word, il a cru en ça, he believed in it. Frère Manon dit que cela n'a pas lieu au même moment. Manon dit it didn't happen in the same time. Ça a pris beaucoup de temps. It took many. Frère Manon dit ça pouvait pas être près de 6000 ans. Frère Manon dit it took over 6000 years. Il ne faisait même pas d'attention à ça. He didn't pay attention. Parce qu'il a déjà dit. Because you already said. Amen. Et nous aujourd'hui, and us today, nous sommes ce Dieu-là qui se tenait là-bas. We are that God that was stood there. Si nous sommes lui, if we are him, quand nous prononçons la parole, when we pronounce the word, nous oublions tout ça. We forget all of it. Nous ne regardons pas la victoire. We only look at the victory. Peu importe. No matter what. Frère Manon dit que le diable est un bluffeur. The devil is a bluffeur. Bluffeur, c'est quoi l'anglais? C'est comme si c'est pareil. Donc, c'est-à-dire que le diable ne fait que des grimaces. Ah, the devil is. C'est un menteur, en fait. Donc, tout ce qu'il fait, all that he did, c'est ne soit que des grimaces. It's only to make you. C'est-à-dire que quand vous regardez ça, and when you're looking at it, c'est comme si. Tu es avec un petit enfant comme you ça. With a little child like this. Ou bien tu es avec le petit Ezra. Like you feel the small Ezra. Il te fait ça. He's doing this thing. Il veut se battre avec toi. He wants to fight with you. Est-ce que Ezra veut se battre avec toi? And Ezra will fight with me. Non. Même s'il fait les grimaces. Even if he does those. Je sais qu'il est petit. I know he's small. J'ai plus de puissance que lui. I have more power than him. Donc le diable c'est comme ça. That's how the devil. Même s'il fait ça. Even if he did that. Regarde comme ça. Look at him. Juste un peu les parents. Parce que le frère Manon dit que lorsqu'il est le plus petit du royaume, prie. Alors, c'est when the smallest of the kingdom, prie. L'enfer tremble. C'est le cœur tremble. Amen. Nous avons vécu. Nous avons vécu ça. We've seen it. Comment est-ce que le diable tremble lorsqu'il vous prie? Well, how the devil trembles when you pray. Amen. Il cherche vraiment à faire quelque chose. He's trying to do something. Quand vous priez, when you pray, il tremble. He trembles. Amen. La foi c'est quelque chose qui est à l'intérieur de là où on appelle âme. Faith is something that is inside it, what we call soul. Frère, la foi c'est pas quelque chose d'intellectuel. But when I say faith is not something intellectual. Il dit la foi ne résonne pas. C'est faith doesn't reason. Amen. Donc la foi, you know, c'est normal. Je suis malade. I'm sick. Je vais guérir comment? How will I get healed? Non, ça c'est pas la foi. No, that's not faith. La foi dit que je suis malade, si. Je suis guéri. Amen. C'est tout. That's it. Quand on a dit à Isaïe, un enfant nous est donné, a child is born, un fils nous est donné. Femme a dit c'était une promesse de 800 ans. Alors, say it was 800 mais lui qui sort au futur. Et pardon au présent. Parce qu'il était dans l'éternité. Because he was in eternity. Donc, femme a dit qu'un prophète il voyage. Alors, say, a prophet travels dans le temps. Time. Il voit déjà la chose qui aura lieu. Six things that will take place. Tous les gens là, les Abraham, tout le monde là, Abraham, ce qu'ils ont vu là, what they saw, c'était la nuée. It was the cloud. Ils ont voyagé jusqu'à Jeffersonville. Travel all the way to Jeffersonville.
Parce que les jours qu'on prêchait les sceaux, depuis le début de preaching the sceaux, ils étaient tous là. They were all there. Même nous qui étions pas encore nés, even as we were not even born, nous étions là. We were there. C'est ça que vous avez. That's what the brother said. Si les jours où Jésus était crucifié, alors quoi, moi j'étais là. If the day Jesus was crucified on the cross, I was there. Bon, on fait une sceaux comme il y avait. What about the one that we see that was just yesterday? Amen. Parce que c'est là qu'on s'est. It's, en l'an 35, in year 35, moi j'étais là. I was there. Donc en 1963, j'étais là. I was there. Frère parlait à l'audience visible et invisible. Was speaking to the physical objects and the invisible. Amen. Donc on a reçu déjà le livre là, comme avant de se manifester dans la chair. We even received the book of Revelation even before manifesting the flesh. Maintenant, comme on est entré dans la chair, as we enter in flesh, on est devenu amnésique. We call it this is of a nation. Maintenant, il s'agissait simplement d'un petit rappel. It's only a small reminder. Amen. Parce que quand le frère Élie dit à Ezra qu'il est son fils, but Élie said is Ezra, he is his son. Il n'est pas en train de dire à Ezra de devenir son fils. He's not telling Ezra to become his son. Donc il lui dit simplement ce qu'il est. He's only telling where he is. C'est ça, c'est le message. That's the message. Amen. Et Ezra doit croire à ça. Ezra has to believe it. Dès qu'il croit à ça. Il a maintenant la révélation de qui il est. Il peut venir. Il peut venir. Daddy, I want sweeties. I want sweeties. As you will be born. Daddy, I want sweeties. Daddy, oh, et papa va l'acheter. And daddy has to buy it. Parce qu'il a déjà la révélation. He has the revelation. De qui il est. Of who he is. Donc il s'est dit que si j'ai quelque chose. He knows if I did something. C'est ce monsieur qui m'a donné la chose. This man who has. Il a un enfant. Mais quand il va grandir. When he will grow. Et l'héritage de papa lui sera donné. Là, il ne demandera pas à papa. Then he will not ask that. S'il a besoin de quelque chose, when he needs something, il met la main dans la poche, the hand, il l'achète. Buys. Donc, c'est une grande chose d'avoir la révélation de Jésus. Great thing to have the revelation. Mais pas parce que c'est ici. This. Il dit la foi ne résonne pas. C'est fait, that's the reason. Il dit la foi n'a qu'une chose. C'est fait, that's one thing. La foi dit la parole de Dieu est. The word is right. La parole de Dieu a raison. The word of God is right. Il dit, oh! Il dit, c'est là que l'âme se tient. He said, that's where the soul stands. So sets his feet. Sets his feet. Et demeure éternellement là. And rest eternally right there. Parce que Dieu l'a dit. For God said so. Ce n'est pas un bluff. It's not a bluff. A bluff. Bluff. Mais, but je le sais. Un autre. Amen. Vous savez, on peut dire des choses qu'on les dit simplement. Mais la foi reconnaît la chose même. But faith reconnaît the things. Amen. Comme je suis là, as I'm here, je peux me dire que je suis à Simpson. I'm in Simpson. Quand je dis ça, je sais que c'est comme ça. I know it's like that. Et personne ne peut me dire le contraire. And no one can tell me. Something contrary to you. C'est aussi pareil. It's quand nous prions pour quelqu'un qui est malade, when we pray for someone that's sick, nous disons we say qu'il va bien, that he's fine. C'est tout. That's it. L'état dans lequel il va passer pour la bonne santé, the stage that he will go through for the good health, ce n'est pas mon problème. It's not my problem. Amen. Il dit, frère, je parle aux gens. I speak to people. Je parle aux gens, êtes-vous le frère Branham? Quelqu'un lui a posé la question. So, êtes-vous le frère Branham qui prie pour le malade? You prepare and pray for the sick. Il dit oui. Say, yes. Il dit, eh bien, c'est contraire à ma foi. He said, why? It's contrary to my faith. Frère Branham dit, alors vous n'avez pas la foi. Branham said, then you have no faith. Il dit, la Bible enseigne cela. And the Bible. Il dit, et maintenant, beaucoup de gens entrent dans la ligne et disent, eh bien, j'ai toute la foi, alors que faites-vous ici? Said, people enter into the line and say, I have faith. Then what are you doing here? Amen. Donc, quand on a la foi, when we have faith, j'ai la foi de Jésus qui est là. I have faith that I'm healed. Tu n'as même pas besoin d'aller à la ligne. You don't even need to go to the place. Puisque tu crois déjà que tu es guéri. Because you already believe. C'est comme dit le frère Branham. Pourquoi tu veux mettre une chemise pendant que j'ai déjà une chemise? Why would I put a shirt on when I already got it? Donc, les gens qui venaient à la ligne de
C'est parce qu'il n'avait pas assez de foi. Il pensait avoir la foi. Ils avaient l'espérance. Vous savez, le diable, c'est comme le virus de l'ordinateur. Like the devil is like a virus in a computer. Dans l'ordinateur, vous avez les icônes. In a computer, we have icons. Où vous mettez vos dossiers. Where you put your documents. Par exemple, disons un document comme des prédications. Let's say like I'm preaching documents. Mais là, quand le virus entre, when the virus, ça va corrompre les dossiers. When the virus enters, it corrupts. Vous voyez que c'est écrit prédication. You see, it's written prédication. Mais lorsque vous cliquez, vous voyez autre chose. You see something else. Ou bien tous les dossiers disparaissent. Or all the documents. Frère, maintenant, c'est ce que le diable fait. Parfois, qu'est-ce qu'il fait? Vous parlez de la foi. Speak of it, mais derrière, behind it, c'est l'espérance. It's hope. Oh, l'espérance, hope, ça peut arriver. It can come ou pas. It or not. Mais la foi, but faith, ça ne peut qu'arriver. It can only happen. Mais là, comment est-ce que les gens perdent la foi? How do people lose faith? C'est parce que quand vous déclarez des choses, so when you declare something, et que cela n'arrive pas, and that does not happen. Tu te dis que peut-être j'ai mal prié. He said maybe I prayed. Mais non. Oh, tu as bien prié. Oh, you've already been praying good. Amen. C'est ça que Daniel a prié. That's what Daniel prayed. Dès qu'il a commencé à prier. When he started praying. La réponse était déjà sortie. The answer already came out from heaven. Amen. En ce moment-là, at that moment, pendant qu'il continue à prier, while he was still praying, il priait pour rien. He was praying for nothing. La réponse est déjà envoyée. The answer was already sent. Donc quand nous prions, that's nous demandons quelque chose, c'est-à-dire que la réponse est déjà là. Mais ce que nos yeux voient, nos yeux nous disent que ce n'est pas encore fini. It's not yet finished. Amen. Amen. Mais dans l'âme, je sais que quelque chose a eu lieu. I know something has happened. Amen. Le femme a dit, eh bien, l'enfant véritable ne connaît aucune défaite. The true faith doesn't know any Defeat. Il dit, elle ne peut pas être vaincue. It cannot be overcome. Amen. Amen. Donc la foi, and faith, ne peut pas être vaincue. Cannot be overcome. Parce que la seule victoire que nous avons, c'est la foi. The only reason we have is faith. Donc quel que soit le problème, no matter what the problem is, ce que nous avons besoin, what we have, what we need, c'est la foi. It's faith. La foi en quoi? Faith in what? Pas à l'église. Not in the church. Mais la foi en parole. Faith in the word. La foi en vous. Faith in you. Connaître qui vous êtes. Know who you are. Amen. Amen. Voilà pourquoi Jésus, quand il dormait dans la barque, that's what Jesus when he was sleeping. Quand il s'est réveillé, when he woke up, il a parlé à la mer. He spoke to the sea. Parce qu'il avait la foi de lui-même. Because he had faith for himself. Mais c'est-à-dire que nous, en tant que les éternels, Eternals, nous sommes en train de prononcer la parole, pronouncing the word, pas en tant qu'humain, not as human, mais en tant que Dieu, as God. Donc quand je parle, when I speak, ce n'est pas l'homme qui parle, it's not man, mais c'est Dieu qui parle. Yeah. Et quand je parle comme ça, when I speak, je dois croire à ma propre parole. Yeah. Et si je crois à ça, if I believe in it, c'est que la mort n'est pas une dernière. C'est fini. Tu prononces le prix, c'est fini. Même si fait le climat, il finit. Regarde pas ça. Femme, si vous avez peur, vous reprenez le processus. Donc, ça dit que quand vous prononcez, vous croyez à ça, vous believe in it. Femme, l'ami, walk out. Tranquille. Come. C'est pourquoi on a toujours déclaré. On a toujours déclaré. Que Jésus va très bien. Jésus est fine. L'enfant va très bien. C'est une bonne expérience pour lui à Paris. Only a good experience for him as a child. Je sais que Dieu est en train de faire beaucoup de choses pour lui. Good God is doing many things for him. Vous voyez quand vous réparez une maison. You know when you fix the house. Vous avez déjà une image. You already got an image. Donc vous allez casser le mur. The walls. Vous grattez le mur. Scratch the world. Vous enlevez même le floor. Even the floor, you take it away. Parce que d'abord, vous pensez que vous savez ce que vous allez faire. Because in your mind, you know what you're going to do. Amen. Mais si quelqu'un vient, il faudrait que la maison devienne désordonnée. The house is becoming disaster. La poussière partout. Dust everywhere. Mais d'abord, vous pensez vous savez ce que vous avez. But in your mind, you know what you're going to do. Maintenant, le processus pour arriver dans l'image qui est dans votre pensée. The process is to get to the image that is in your mind. Tu vas passer par là. You have to go through that. Parce que l'expérience, the experience,
C'est la chose qui donne, qui renferme l'homme, qui donne l'affermissement à l'homme. It's the thing that gives the, gives sustain the man. Comme Dieu, as God, s'il veut faire quelque chose avec toi, if he wants to do something with you, il doit passer par les épreuves. You have to go to trials. Frère Branham appelle ça time tested memorial. But Branham calls it time tested memorial. Yeah. C'est ça qu'il appelle. That's why c'est ça qu'il dit. Donc quand vous passez des moments comme ça, when it goes through those moments, bien que ça soit difficile, mais la fin de l'histoire, end of the history, c'est la victoire. The victory. Voyez les joueurs qui jouent le match de football. See the players playing the match of football. Frère, une fois j'ai essayé de jouer à la dimension du stade. But once I tried to play in a, you know, the size of the stadium. C'est là que on peut pas se pénaliser dans la poteau de la musique. Quand j'étais enfant, quand tu tires le ballon pour atteindre même le poteau, c'est difficile. Si tu prends l'enfant comme Gershon par exemple, tu mets un poteau vide, tu mets à la dimension du stade là. Peut-être que le ballon n'arrivera même pas. Maybe the ball will never get there. Donc, mais là, quand les joueurs jouent au football, the players play football, ce n'est pas pour rien qu'on les paye des millions. But it's not for them to pay. Les gens souffrent. Those boys, those people suffer. J'ai joué au football, I play football. Avant même d'arriver au mi-temps. Before even the half time. Donc, nous louons le bilan. This player is sleeping. Mais regarde, remarque maintenant. Après la compétition, after the competition, malgré fatigué, even if they're tired, lorsqu'ils reçoivent la coupe, when they receive the win, c'est la fête. It's feast. Amen. Mais on dit que vous ne pouvez pas vaincre si vous ne combattez pas dans les normes. Because you cannot win if you're not fighting in order. Donc, frère Jesse est en train de combattre dans les normes. But Jesse is fighting in order. Donc, quand il sortira de là, when he comes out, il va prendre la coupe. He will take the coupe. On dit, regardez là où je viens. See where I come. Dieu m'a délivré. God, là, il est en train de découvrir Jéhovah Rapha. There is a coming Jéhovah Rapha. Amen. Entre temps, Jéhovah Jireh. Les Dieu qui pourvoit, qui a prouvé la guérison pour vous, provide the healing for him. Amen. Ce qui est mieux, vous savez, parce que quand moi je regarde des choses comme ça, moi je regarde avec les yeux de Dieu. When you look at things like that, look at with the eyes of God. Le frère Jesse commence à, il demande même de prédication. When the Jesse is being asked to preach, il fait une demande d'une prédication. Ça me fait du bien. Il dit, maman, est-ce que je peux écouter telle prédication? On va mettre ça pour vous. On va mettre ça. Frère, comme c'est lui-même qui demande, là il va écouter cette prédication avec beaucoup d'attention. He will listen to their preaching. La sœur Oxfam m'a dit que je ne savais pas qu'il connaissait le titre de cette prédication. I didn't know you knew the title of that. Amen. C'est parce qu'il mangeait. Because he was eating. Là maintenant il commence à ruminer. Now he start. Yeah. Maintenant il sait que dans cette situation, il n'a pas demandé les sept jours. He didn't ask for the seventh. Mais il a demandé la délivrance totale. He asked for total deliverance. Vous voyez? Parce qu'il sait qu'il est dans cette situation-là. Because he knows that situation. Il faut cette prédication-là. Et s'il ne connaissait pas la prédication? And if he didn't know the preaching. Le boulot. Vous voyez? Si. Donc la foi, c'est notre victoire. So faith is our victory. Les femmes ont dit. Madame, même la mort elle-même ne peut pas la vaincre. Even death cannot overcome. Ah, amen. Même la mort ne peut pas vaincre la foi. Even death cannot overcome faith. C'est comme ça que le diable avait pensé. That's how the devil told. Il prend Jésus pour le crucifier. Take Jesus for the crucifixion. Il dit à cette fois, Jésus, il dit, this time I finish with this man. Je vais le mettre là-bas dans la tombe du crucifix. I'll put it there in the tomb and that's it. Mais Jésus a vaincu la mort. Jesus overcame the devil. Amen. Mais dans le sens spirituel aussi. The spiritual sense. Il est venu avec ses quatre chevaux. He came with the four horses. Il ne savait pas qu'il y avait une dernière cartouche. He knew that it was the last one. L'onction de l'aigle. The unction, the power of the echo. Amen. Amen. Pendant qu'il a mis les désordres ici sur la terre, after putting all the disaster here, et nous avons pris les
eagle wings. Nous sommes partis dans l'élèvement. We went to the rapture. Amen. Amen. L'aigle, c'est l'oiseau qui vole dans les hauteurs. The eagle is a bird that flies high. Et lorsqu'il retourne maintenant, when he comes back, il met le dernier ennemi sous ses pieds. He put the last enemy in his feet. Qui est la mort. Which is death. Il dit, elle ne connaît aucune défaite. He said, he doesn't know only any failure. Les épreuves connaissent la défaite. Mais la foi ne connaît aucune défaite. My faith doesn't know any. Doesn't fail. Elle ne peut pas être vaincue. It cannot be overcome. Il dit, et c'est la seule façon pour vous d'être agréable à Dieu. And that's the only way for you to be pleased by God. Amen. C'est ça la foi. That's faith. Nous qui avons vu the hell, ce que Dieu a fait dans cet âge. What God has done in this age. Nous avons vu Jésus ressuscité. We saw Jesus resurrected. Amen. Parce que la résurrection de Jésus Christ, because the resurrection of Jesus, c'est faire le même œuvre qu'il a fait. To do the same work that he did. Amen. Amen. Je vais aller vite. I will go fast. J'aime ça. Il dit, that great fellow called faith. C'est quand on appelle la foi. Cet ami qu'on appelle la foi. J'ai toujours dit qu'il a le poil sur la poitrine. I often say he has hair on the chest. On the chest. Amen. Amen. Donc la foi bombe la torse. Faith hatch. Put his chest out. Il dit, quand il parle, c'est when he speak, tout, c'est-à-dire que tout s'éteint. Everything shuts out. Amen. Donc quand la foi parle, when faith, parce que quand on parle de la foi, when you speak of faith, ce n'est pas le domaine de l'esprit. It's not spiritual domain. C'est le domaine de l'âme. It's the domain of the soul. Amen. Maintenant, le domaine de l'âme, so the souls, the c'est ça que nous appelons la semence prédestinée. What we call the predestined seed. Mais cette semence prédestinée là, c'est Dieu lui-même. That predestined seed is God himself. C'est la partie de vous qui est Dieu. It's the part of you that is God. Voilà pourquoi la femme a dit que quand elle parle, that's what Paul says when he speaks. Tout s'éteint. Everything is. C'est pourquoi Jésus quand il a parlé, when Jesus spoke, c'est pas le corps qui parlait. It's not the body that was. C'est son âme qui parlait. It was his soul that was. Et la mer c'est Dieu. And the sea. La foi a de poil dans sa poitrine. The faith has hair on the chest. Quand il parle, tout s'éteint. So when he speaks, everything has shut off. Il dit, quand la foi dit, taisez-vous. So when faith says shut off, il dit, tout stop. Then everything stops. Il dit, parce qu'il est le boss. Cause he is the boss. La foi c'est le patron. Faith is the boss. Ça dit, l'âme de l'homme. That means this man, the soul of man. C'est ça le patron. That's the boss. Vous savez, il y a des fois, you know, sometimes, le diable vous regarde. The devil is looking at you. Il regarde si vous connaissez qui vous êtes. He looks to see. Vous savez, le frère Branham, quand la femme là l'a vu, when the woman saw, c'est la femme là qui a dit au frère Branham que, the woman that told Branham, quand je l'ai vu, j'ai vu de trois étoiles.